Airbus a encaissé mercredi un gros coup dur avec l'annulation d'une commande de 70 A350 par la compagnie Emirates, une des compagnies de lancement de ce long courrier vedette qui doit entrer en service cette année. Cette commande de la plus puissante compagnie du Golfe représentait 16,5 milliards de dollars, soit 12,2 milliards d'euros quand elle a été passée en 2007. L'action Airbus Group perdait du terrain en cours de séance à la Bourse de Paris. Le contrat que nous avions signé en 2007 est caduc, a affirmé un porte-parole d'Emirates. Nous revoyons les besoins de notre flotte long courrier.